Bonsoir, bienvenue au PC du CNSP. Communiqué numéro 001. Le Comité national pour le salut public, CNSP, remercie et salue l'engagement citoyen du peuple malien et son attachement à la démocratie. Il tient par la présente à remercier l'ensemble des organisations de la société et celle de la presse nationale et internationale ici présente. Le comité invite les populations à vaquer librement à leurs occupations et leur demande de reprendre sainement leur activité. Le comité invite les fonctionnaires à reprendre le travail dès demain, jeudi 20 août 2020, et rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour la protection des personnels et des biens, ainsi que les lieux de travail. Le comité prendra toutes les mesures s'inscrivant dans le strict respect de la discipline militaire à l'égard de tout porteur d'uniforme qui se fera prendre en flagrant délit de racket et d'extorsion des paisibles citoyens. Le comité invite d'arrêter immédiatement les actes de vandalisme et de destruction des édifices publics. Au demeurant, tout contrevenant fera l'objet de sanctions. Le comité insiste que lors de ces activités, on a déploré zéro mort, contrairement à certaines allégations qui parlent de 4 morts et 10 blessés. Le comité insiste qu'à notre niveau, on déplore zéro mort et zéro blessé. Vive le Comité national pour le salut du peuple, vive le peuple souverain et démocratique, vive le Mali. Je vous remercie. Comité porte-parole. Je suis le colonel-major Ismaël Wagui.